C'est potentiellement notre dernier épisode en saison régulière pour cette première saison, dépendamment de comment ça va. On est à 69 parties jouées, donc il en reste 13, si je ne m'abuse. Et notre classement, si on regarde ça, on est 5e et on a la dernière place dans la wild card avec 74 points. De l'autre côté, faut regarder Nashville qui en a 73, Chicago qui en a 70. De notre bord, San Jose et les Ducks d'Anaheim peuvent nous rejoindre. Et les Coyotes sont en avant, les Flames de Calgary, mais on a 69 parties. La plupart des autres équipes en ont 70, 71. Et on affronte les Devils du New Jersey. Les Devils du New Jersey. Et on est 73 overall. Et on est parti. Donc, on va jouer un match dans Simulé 2-3. Jouer un match dans Simulé 2-3. Et on va voir si on va arriver à la fin de la saison. Ça va dépendre de comment vont nos matchs. Première période. 4 à 3, Cassian, Clefbaum, Puljujarvi, mais 4 buts en 5 minutes, my god! Faut avoir Talbot, ça n'a pas de bon sens. Deuxième période, c'est 8 à 5! On a accordé 8 buts en 2 périodes, faut clairement que Talbot revienne, ça n'a juste pas de bon sens. Et on est parti avec les Oilers d'Edmonton, on est en retard par 3 buts, mais le gardien des Devils ne semble pas dans son assiette non plus, donc on peut peut-être en profiter. Et Clefbaum, justement, 2 contre 1. DeRock. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Toujours mon bel arrêt du gardien. S'il me l'avait remis, là, ça aurait pu être intéressant. Panique. Et je pense qu'on est de retour sur la... Je pense qu'on est sur la troisième ligne. À moins que Draisaitl soit blessé, là, pendant que DeRock tente une contre-attaque. Tente une fête. Tente un tir du revers. C'est un mauvais tir, nous dit le coach. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de joueur à billet pro, donc il va falloir se réadapter. Pour l'instant, ça va pas mal. 2 contre 1, une shot au net. Et Clefbaum va amorcer la contre-attaque. La passe tentée, mauvaise passe. Ball intercepte, le beau jeu de Strome. Qui va remettre vers Panic? Vers Clefbaum. Clefbaum, belle passe à The Rock. Arrive rapidement dans la zone. Tente une fête. The Rock, l'autre côté, personne pour saisir la rondelle. Et c'est Boyle qui va sortir. Et on attaque, mais j'ai déjà fait rond pour aller changer. De toute façon, il faut avoir des petits chiffres. C'est important, là, on peut pas se permettre d'avoir énormément de défaites comme ça. Et surtout pas des 8 à 5. Il faut qu'on se ressaisisse. On peut pas jouer comme ça, là, c'est inacceptable. Faut au moins aller chercher des points. Le bel arrêt de Montoya qui est de retour dans le match. On a ôté Montoya, on a mis Wells. Et le Wells a tellement pas bien fait. Il a pas bien, bien... Il a pas vraiment aidé, là. On a perdu nos deux derniers matchs. Ça va tellement mal pour les Oilers. C'est une fin de saison qu'on ne voulait justement pas avoir. Et c'est une fin de saison qu'on a. Strome est slashé. Et il y aura avantage numérique. Et c'est le moment de faire extrêmement mal, là. On n'est pas sur la première vague d'avantage numérique. Dommage. Parce que ça serait intéressant. Par contre, on est là. 9-25. Et si vous voulez un moment de marquer un but là, important dans le match, là, vous l'avez. The Rock contre-attaque et on va attendre nos amis. C'est Nurse, c'est Larson, c'est Nurse tir qui est tenté. Et le dégagement va être complété jusqu'en zone neutre. Pour Yarvi qui a déjà un but ce soir, on passe vers Larson. Larson contre-attaque, tente de passe à The Rock qui déborde. The Rock devant Larson, quel arrêt! Strome, il y aura une autre pénalité, on a slashé Strome. Nurse vers Pour Yarvi et... 5 contre 3 pour les Oilers d'Edmonton. Come on, guys. Ça nous prend un goal, là. Absolument. On n'a pas marqué. Mais la deuxième vague va tenter de le faire. Will Butcher. Dégagement intercepté par The Rock. Butcher, encore une fois, tente de dégager. Mais beau jeu de Clefbaum. Devant le filet, c'était bien tenté. Mais Paul Miery va intercepter. Et il nous reste quoi? 1 minute 32 de temps pour le powerplay. The Rock intercepte. Intercepte. Reçoit la rondelle. Il va contre-attaquer. Deux belles petites feintes. Passe à Clefbaum. Va The Rock. Watch out. Revirement là-dessus. Mauvais revirement. Clefbaum glisse vers le centre. Et après ça, tu peux me donner la rondelle. Attention, Sequeira. Il y a un filet. Parlez-en à Donald Nurse. Travis Zajac. Et les Oilers ne sont pas capables de sortir en désavantage numérique. Will Butcher. Embêté par The Rock. Mais en avantage numérique, on laisse les Devils entrer facilement en zone. Et la rondelle qui a disparu à travers la bande. Excellent. On peut pas se fâcher. On peut pas se fâcher tout de suite, là. Ça serait ridicule. Face-off. Gagné. Good job. Et The Rock va remettre vers Larson. Beau jeu là-dessus. Pour Yarvi. Passe à The Rock.
Tomac tente un tir, c'est bloqué, Strom par la bande. Est-ce que quelqu'un va être là? Oui, c'est Larson, Pouille Ivy. Devant Strom, bel arrêt du gardien. Le retour et Wood, il va de dégagement, bien bloqué. Nurse, passe à The Rock accélère. Va revenir sur ses pas, il n'a pas beaucoup d'options. Va y aller d'une patience. L'autre côté, tir! No way! No way, Strom qui aidera un but complètement vert. Nurse, tente un tir, c'est bien bloqué. Les Oilers là, effectuent une bonne pression, la passe. The Rock tente de tirer au filet, Kincaid était là. Et quel arrêt, mais quel arrêt, mais quelle chance. Raté par Nurse, par Strom, j'ai de la misère à parler. Ça a pas de bon sens, honnêtement. Il y avait la chance, là, il y avait un but ouvert sur sa palette pour mettre ça 8 à 6. Et malheureusement, on n'a même pas réussi à faire ça. Panique, passe vers The Rock. The Rock, la feinte. Pas d'option, la passe à la pointe. Sekera passe à The Rock, tente un tir, là, on a été frappé solidement et ça nous a pas permis d'y aller d'un tir. La déviation, par exemple, là, ça a été réussi, mais c'était pas extrêmement violent là, comme déviation. Green s'amène, tente une passe à Boyle. Boyle, oh, The Rock sera chassé, il a fait trébucher les patins de Boyle. Je pense que c'est la fin pour ce match-là, malheureusement. Là, quand tu marques 5 buts d'habitude, t'as tendance à gagner la partie. Malheureusement, nos gardiens nous ont un peu laissé tomber, mais The Rock a une chance de se rattraper. Quelle fête! Oh, mais beau repli du défenseur qui a empêché le tir. Quel dommage. The Rock coupe tout un peu tout le monde et il y a hors-jeu. Est-ce qu'on va rester sur la glace? Non, monsieur. Et ça risque d'être la fin. Donc, les Oilers là, sont sur 3 défaites de suite, ce qui est vraiment pas bon pour leur course aux séries, là, mais vraiment pas. Faut absolument se reprendre dans les prochains matchs. Sans ça, on va probablement être exclu des séries et c'est la pire affaire d'être exclu des séries et finir 9e, mettons, dans la conférence parce que dans ce temps-là, on n'a pas un bon choix au repêchage. Donc, on a eu un point de plus. Qu'est-ce qu'on va améliorer cette fois-ci? Tireur, moi, je pense pas qu'on... Moi, je pense qu'on serait mieux de continuer à essayer d'améliorer le patin. Niveau de la vitesse, endurance, non, merci. Moi, je pense que je vais attendre pour... celui-là, donc je vais attendre d'avoir 2 points et je vais améliorer ma vitesse. Je veux vraiment dominer par ma vitesse. Donc on va simuler les 2 prochains matchs, ce qui veut dire le match des Coyotes et celui de Vegas. Et on va arriver au match contre les Blues de Saint-Louis. Si on gagne nos 2 matchs, je vais simuler celui des Blues. Et si on perd un des 2, je vais jouer celui des Blues. Victoire et défaite en tir de barrage, ça nous donne 3 points. On peut se permettre de simuler celui des Blues. Et c'est une victoire de 2-1, that's it. Donc, on est reparti là. À nos 3 derniers matchs, on a au moins 1 point à nos 3 derniers matchs. On ne checkera pas le classement tout de suite. On joue contre les Blue Jackets. C'est parti, première période, deuxième période, c'est 3-0 pour les Blue Jackets. Il faut absolument essayer de revenir dans ce match-là. Let's go. On est parti, 3-0 pour les Blue Jackets de Columbus. Il y a encore moyen de revenir dans ce match-là, mais ça va prendre un but rapide et ça va surtout prendre de l'aide. Je marquerai certainement pas 3 buts, là, c'est pratiquement impossible. Jenner intercepte la mauvaise remise du défenseur, c'est Seth Jones, passe vers Nash, vers Werenski, vers Nash. Riley Nash derrière le filet pour, je ne sais même pas c'est qui, il y aura une pénalité. Clef, bon, mais chassé, quelle mauvaise pénalité, merde. 3-0, on part la troisième avec un 2. Ça l'aide pas du tout notre cause, ça, mais pas du tout. 1 minute 10. Draisaitl à la mise en jeu. C'est perdu par Draisaitl et un jeu préparé d'avance qui aurait bien pu fonctionner. La passe. The Rock tente une passe pour Draisaitl qui bat tout le monde de vitesse. Vers The Rock, c'est raté. Murray, bon jeu de Leon. Leon. Toujours avec la rondelle. Réussi à remettre vers The Rock. Et là, les Oilers le perdent beaucoup de temps. Du temps précieux dans la zone des Blue Jackets. The Rock. The Rock protège la rondelle. Et va y aller d'une passe. Beau travail. Leon Draisaitl contre-attaque. Tantôt. Ok, il s'est fait frapper. The Rock, là. Si j'avais eu l'opportunité de me battre, c'est sûr et certain que je le faisais. Longue passe, s'il vous plaît. Non. Russell passe vers Draisaitl. The Rock entre avec la rondelle. Entre en soutien, mais Draisaitl a perdu. On va aller changer. On a quand même tué la totalité pratiquement de l'avantage numérique des Blue Jackets. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais à 3-0, il reste 13-58. On n'a toujours pas de but. Ça va être compliqué. On va essayer de gonfler un peu nos statistiques là, parce qu'on. Malgré la participation aux séries, on se le cachera pas. Un petit trophée Calder, ça pourrait être intéressant. Heed, la passe à Dubois.
Et Dubois, là, n'a pas vraiment d'option de passe. Good job, The Rock. Beau travail. Il y aura une pénalité. Pierre-Luc Dubois s'est fait soutirer la rondelle par The Rock et ensuite de ça, n'a pas donné les deuxièmes efforts. Un petit peu lâche là-dessus Dubois et c'est une très mauvaise pénalité qui donne une chance aux Oilers. Avec 42 secondes, la deuxième vague embarque sur la patinoire. Jesse Puljujärvi passe derrière pour The Rock. Tente un tir. C'était bien essayé. Son tir passé notre deuxième vague là, l'avantage numérique. The Rock saisit la rondelle. The Rock s'amène. Pas d'option. Nos deux joueurs, là, ils sont droitiers, donc il faut que j'aille chercher le one-timer. Le voilà. Mais j'attends d'avoir une meilleure option. Le voilà. Non, c'était pas nécessairement ça. Ih, j'aurais pu pogner un 2 pour avoir fait trébucher. Et le dégagement directement sur le banc des joueurs. That's it. Un peu ridicule, mais bon. Mise en jeu. C'est remporté. Good job, Sekera. Tire au filet, c'était bien essayé. Le dégagement raté. C'est Strom qui remet vers The Rock. The Rock. Come on, garde la rondelle. Ça prend quelqu'un à l'avant du net. Personne, on distribue la rondelle. Clef bomb. Bon tir bloqué. Puljujärvi. Passe à The Rock. Long shot. Rebound. Puljujärvi. Le retour, c'est raté. Et il y aura une autre pénalité. L'effort de la deuxième vague en avantage numérique. Là, ça crée des avantages numériques. Mais on ne marque pas. McDavid, Draisaitl. Et je sais même pas c'est qui l'autre. Hopkins, peut-être. On ne réussit pas à marquer 0 en 2 ce soir pour les Oilers. On a probablement le pire avantage numérique, ça c'est sûr et certain. The Rock fend l'air, mais beau jeu par la suite. Là, vient empêcher Murray d'aller dans le dégagement, mais Boone Jenner, lui, n'aura aucune difficulté à le faire. Larson saisit la rondelle. Belle passe pour The Rock. The Rock entre avec beaucoup de vitesse. Coupe au centre. Tente un tir, c'est raté. Ça va falloir que tu empêches le dégagement. Good job face à Seth Jones. Beau jeu de Strom face à Jones. Strom toujours la passe derrière les filets. The Rock saisit. Il va d'une petite feinte. Protège la rondelle devant Strom. Tente un tir, c'est bloqué. La rondelle est libre. Et The Rock va saisir la rondelle libre. Oh, j'ai essayé de remettre devant le filet. Ça a été raté, malheureusement. J'ai pas réussi à décocher ma passe. Oh, ça devient frustrant un petit peu. Larson, la passe vers Nurse. Nurse va pour Puljujärvi vers The Rock qui demande la rondelle. The Rock s'amène, la passe à Strom. Strom qui tente un tir sur réception, c'est complètement raté. Et c'est terminé pour cet avantage numérique. Donc 0 à 3, rien de nouveau jusqu'à présent. On a des chances, mais on concrétise pas, là. C'est ça qui arrive. 4-26 à faire. On va essayer au moins d'aller marquer un but, là, s'il vous plaît. Clefbaum passe vers Strom. Et Strom contre-attaque. The Rock attaque le filet. La passe derrière le filet de The Rock. Contourne à la pointe, panique devant Larson, amène dans son net. Le tir qui est bloqué par The Rock devant le filet. Il n'y a pas eu de déviation, mais malheureusement, j'ai juste bloqué le tir. Alexander Wenberg passe un Panarin et les Blue Jackets contre-attaquent. The Rock intercepte 2 contre 0 avec panique. The Rock et panique, la passe. Panic tire, quel arrêt! Bobrovsky vient de voler Richard Panic. J'avais pas le choix de te donner. En 2 contre 0, faut que tu donnes la rondelle, mais j'aurais aimé ça que Monsieur Panic là, coupe l'espace. Qui avait la passe. Jones tire qui est bloqué. La rondelle qui est toujours libre. C'est Larson qui gagne sa bagarre et remet vers The Rock. Encore une fois, très dangereux. The Rock s'amène. La belle fête. The Rock emprisonné. C'est Ryan John Hopkins. Le tir qui est bloqué. Et Rarensky va y aller d'un dégagement. Donc, deux bonnes occasions de marquer. Mais malheureusement, on n'a pas réussi. Hopkins avec McDavid. Et j'ai skippé. Sorry, les boys. 3-0, ce sera la fin. Donc, The Rock en deux. Les deux derniers matchs qu'on a joués, là, aucun point. On a des chances de marquer, mais on n'a pas de points. On n'a pas de points, c'est ça qui est un peu dommage, mais... Ce qui est encore plus dommage, c'est la défaite, là. La défaite fait extrêmement mal et espérons que la simulation va encore nous sourire comme tantôt, là. Honnêtement, j'espère. Donc, on va simuler le match contre les Sénateurs et contre les Kings. Et on va peut-être jouer contre Dallas, dépendamment des deux résultats qu'on a. Espérons que le coach ne va pas nous faire descendre sur la quatrième ligne. On est 35, ok. Puljujärvi n'est pas là, s'il vous plaît, monte-moi. Mais c'est ridicule. Défaite de 3-2 en plus de ça. Et défaite de 3-1. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 matchs. Je pense qu'on n'a pas le choix de toutes les gagner. 79 points. La wild card est à 82. On est à 79. On n'a pas le choix. D'après moi, il faut gagner tous nos prochains matchs. Tous nos prochains matchs doivent être probablement gagnés si on veut avoir juste une chance de le faire. 1-0 et 2-0. Aïe, aïe, aïe. Ça va être extrêmement compliqué, là.
La perte de Talbot, c'est la perte de Talbot. Le fait qu'on a eu Montoya pendant pratiquement toute l'année, avec Wells aussi, là, c'est vraiment ça qui nous a fait mal. If you're just with us, it's been a tremendous bit of hockey so far, and more to come. Eh bien, let's go! On n'a pas ben le choix de gagner les prochains matchs. Et c'est parti, le Clefbaum passe vers Kajula, Kajula, Kajula! Non, personne. Hé, que je suis allé jouer avec ces deux-là. Mettez-moi avec McDavid, ça allait tellement bien. Depuis que je suis avec McDavid ou Draisaitl, là, The Rock n'est plus le même joueur du tout. Et c'est bizarre, mais vous allez dire, oui, mais c'est McDavid qui te fait bien jouer. Non, on joue bien ensemble. C'est ça l'affaire. The Rock coupe. Hot l'espace, tente un tir bloqué par le défenseur devant. Beau jeu là-dessus. J'avais une très belle chance et le défenseur l'a bloqué. Larson, dégagement par la bande. Nos défenseurs ne font rien de bon. Notre défensive est pitoyable. Richie va un tir. Pff, ça a passé extrêmement près, ça. Faxa. Faxa, revirement. The Rock accélère. Est-il assez rapide? La passe tentée de l'autre côté. C'est raté. Je vais aller changer. God damn, ça n'a pas de bon sens. Comment ça va pas bien? Des avantages numériques pour les Oilers. On est 1 en 4 du côté de Dallas. Et ça s'annonce pas bien là, pour les Oilers. J'ai l'impression qu'on a un peu arrêté de jouer. Une autre pénalité pour les Oilers. Et c'est un 5 contre 3 pour les Stars de Dallas. That's it, boys. Bon travail, sérieux. On a besoin de gagner tout le reste de nos matchs. Et vous décidez de pogner des pénalités pour avoir des 5 contre 3. C'est une bonne affaire. Tir qui est bloqué, The Rock récupère et va y aller d'un dégagement jusqu'à l'autre bout. Ok, Rundle, bye bye. Boom, here we go, bonne mise en échec, on finit nos checks, on s'en fout. Je suis rendu à un point où est-ce que je m'en fous quasiment un peu. Rumblum devant le filet. Oh, le tir qui est faible, bloqué. La passe qui est partiellement réussie et on va en profiter pour aller changer. Il reste quoi, 11 minutes. Et The Rock est... Oh, de retour, on a à peine laissé le temps de sortir. Et on me demande déjà d'aller changer. Ben oui, pourquoi pas. Bon, on va aller changer. Écoute, coach, je me demande de venir changer. Dis-moi pas, mauvais changement de ligne, là. Fuck you, sérieux. La rage. Le rage commence à s'installer, cette saison-là. C'est le temps qu'elle finisse, là. C'est le temps qu'elle finisse et que The Rock monte en overall durant l'été, là. Clairement. Brodiac, Benning, passe à The Rock. The Rock s'amène. Il va le tir. Bloqué par Bishop. Je vais juste faire ça, je vais juste shotter au net. J'essaie trop de fla-fla là. Je vais juste en profiter pour essayer de drive le net, shotter au net. Faire des petits chiffres, puis on va bien voir ce que ça va donner. Yann Mark. La passe tentée. Oh, Brodiac aurait pu intercepter ça là. Come on, my man. Et John Klingberg est en jeu. That's it, mon gars. Bien joué. Est-ce que quelqu'un veut se battre? Bon, let's go, St. John's. Let's go, pourquoi pas? Très très down, ah ouais mon gars. On va essayer de réveiller mon équipe un peu, monter mon jeu d'équipe. Let's go. St. John par exemple, c'est pas un petit bonhomme là. Il sait comment se battre, mais The Rock a eu des cours de son père. Donc il est capable en masse d'en donner aussi là. Let's go, oh palais, St. John c'est un pas doux. C'est un pas doux, bang, let's go. On continue, et voilà. Et voilà St. John. Pousse, 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 that's it. Pousse, pousse. Here we go, bang! Pousse! Pousse et vite! Oh, watch out! Tu peux pas te manger un autre shot! Tu peux pas te manger un autre shot de Rock! Tu peux pas te manger un autre shot! Here we go! Johnny est fatigué! Johnny est fatigué! Bang! On passe un peu notre frustration aux défenseurs des Stars de Dallas. Oh, du même coup, on réussit à aller chercher un peu de jeu d'équipe qui nous met ça dans le verre. Let's go! Et on finit ça. Peut-être que notre équipe va s'être faite motivée. Non! Eh bien non, pourquoi? Pourquoi notre équipe serait motivée? Je sais pas, peut-être que c'est les 6 derniers matchs de la saison. Peut-être qu'on perd par un but. Let's go, John Klingberg. Je viens de le tuer. Un autre victime, Radulov. Boom, here we go, Radulov. Let's go, The Rock, là, qui en a plein son casse. The Rock qui est juste écœuré. On a pogné 9 pénalités dans ce match-là. Quel moment tu veux gagner un match avec 9 pénalités? Je me questionne. On est en désavantage numérique puis on fait des revirements à la ligne bleue. Bel arrêt de Montoya là-dessus. Le tir qui est bloqué.
The Rock qui se permet de louffer un peu. Benning tente une passe, c'est raté. On s'essaie de ça encore sur une méthode. Non, parce que le gardien a décidé de remettre la rondelle. Rumblood remet vers Alexander Radulov. Radulov vers Rumblood. Vers Radulov. C'est Ben, c'est Rumblood. Son tir est bloqué. C'est Clefbaum qui récupère. Clefbaum a été slashé, il n'y aura pas de pénalité. Brodiak. Brodiak contre-attaque. Remet derrière pour The Rock. J'avais juste pas envie qu'il y ait un arrêt de jeu, là, c'est tout. Donc, fin de la partie. J'ai même pas d'émotion parce que je sais qu'on est éliminé des séries. Ça me fait fucking chier. J'ai pas envie de me fâcher. Je l'ai déjà fait sur Panarin. Ça me sert absolument à rien de le refaire ici présent. On va juste simuler, on le sait, les Oilers. Mais c'est une bonne saison pour les Oilers. D'habitude, on a le premier choix. Là, on va avoir le 15e. Écoutez, c'est encore plus mauvais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant qu'à ça, on est mieux de perdre tout le reste des matchs. On va simuler les deux prochains matchs encore. Et si par magie on réussit à gagner nos 2-3 prochains matchs, eh bien on regardera ce qu'on fait. Adam Larson est blessé en plus de ça. Victoire de 2-1. On est sur la quatrième ligne. Pourquoi pas, coach? Pourquoi pas? 37-34-9. Larson est de retour. On a fini la saison sur la quatrième ligne. Hey, parlez-moi donc de ça. La meilleure rookie qui finit sa quatrième. Ah, il reste un match et on va aller voir les points. Parce que je suis curieux. 64 points en 81 matchs pour The Rock. Il y a eu clairement une baisse de régime. On est quand même rendu 74 overall. Et on est quand même le deuxième meilleur pointeur de l'équipe derrière McDavid. Ce qui est franchement bien. Mais si on va voir dans toute la ligue, j'espère que je suis le premier pointeur ou sinon je vais être fâché. 64 points de loin le premier. On est la meilleure rookie puis le coach nous met sur la quatrième ligne. NHL va jamais changer. On n'a même pas de stress à avoir. On n'est même pas obligé de jouer ce match-là, honnêtement. Dépendamment du score, là, on verra si ça me tente de jouer. Je suis poche de même, mais ça me met off pas. Pas faire les séries, ça me met off. Première période, Hopkins et Monahan. Deuxième période, 3-2, Cassian, Tobias Ryder et Backlund. S'il y a une prolongation, on va intervenir. Commande les Flames, on compte pour les Flames. On veut que les Flames y score. Let's go! Mikael Backlund a marqué. Là, faut tenir l'égalité, parce que si c'est toujours l'égalité, on va intervenir avec 5 minutes à faire. Et on va participer probablement à la prolongation. Donc il reste 3 minutes, on intervient, c'est parti les boys. On veut jouer en prolongation et surtout on veut participer au but en prolongation. C'est parti. Avantage numérique pour les deux prochaines minutes. 2 minutes 28 à faire au match et on est en avantage numérique. On va quand même essayer de marquer un but là, juste pour au moins se sécuriser. Et The Rock saisit la rondelle et si on en marque un but, il va être beau. Et hop là, c'était pas un beau jeu. On est toujours en power play au moins. J'espère qu'on va jouer en prolongation, même si on est sur la quatrième, là, j'espère. The Rock saisit et remet vers Ryan Eugene Hopkins et McDavid. On est rendu avec ces deux-là en power play. Way to go, coach, faire des changements en fin de saison de même. Way to fucking go! Ryan Eugene Hopkins qui bloque notre tir. Le dégagement est complété jusqu'à l'autre bout et c'est la sortie de zone de Clefbaum. Passe par la bande. Saisi par The Rock, 2 contre 1 avec McDavid. Connor McDavid passe pour The Rock. C'est raté. On essaie de rejouer avec McDavid et de retrouver un peu la magie qu'on avait. Dégagement complété. Sekera, la passe à Clefbaum. Clefbaum, longue passe. Saisi par The Rock. The Rock est seul. The Rock s'amène. Oh, j'ai essayé une main, ça n'a pas du tout marché. Dommage. Ça aurait été pas pire. À une main, ça aurait été spectaculaire. Hopkins passe vers Connor McDavid, vers Sekera. Sekera coupe, Sekera tire. Bel arrêt, TJ Brody, longue remise. Saisi par Curtis Lazar qui évite The Rock. Là. Noah Hanifin, beau travail. Qui a la rondelle? C'est Ryan McDavid, Sekera. Longue passe, saisi par The Rock. The Rock s'amène, fait tente les jambes deux fois. Tente de soulever la rondelle, c'est bloqué par le gardien. The Rock tente un tir, bon tir, bloqué. Le dégagement est complété, il reste 30 secondes. On est toujours sur la glace et on reste sur la glace. The Rock saisit, 1 contre 1. The Rock s'amène, oh, solidement frappé! Noah Hanifin a complètement tué The Rock. La passe devant, c'est raté. Beau jeu.
à la pointe. C'est Giordano. Faut pas pogner deux. Giordano. Toujours. Jankowski. Non, non! Come on! Oh, allez chier, NHL. Oh, fuck off, man. Oh, je veux juste aller en prolongation et t'accordes un but de même en fin de match. Oh, je décalisse.